بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي نستأنف مع لي تخوا غروب دو فيرب المجموعات الثلاث للفعل لي تخوا غروب دو فيرب المجموعات الثلاث للفعل ثم نستكمل مع الصفحة رقم 43 لا باج 43 لا باج 43 في أعلى الصفحة كما نلاحظ عندنا كونجوغيزون عندنا صرف conjugaison صرف suite تابع ثم عندنا le quatrième paragraphe الفقرة الرابعة je m'entraîne أنا أتدرب je relève dans le texte les verbes et je les classe dans le tableau je relève dans le texte أنا أستخرج من النص voilà on a un petit texte عندنا نصا صغيرا إذن je relève dans le texte أنا أستخرج من النص كما نقول هنا أنا أستخرج في النص مقصود هنا أنا أستخرج من النص les verbes أستخرج الأفعال et je les classe ثم أرتب je classe أنا أرتب طبعا عندنا le verbe classer je les classe أنا أرتب dans le tableau في الجدول voilà on a un tableau divisé par 3 on a les verbes infinitif Et après, on a groupe. Nous prenons le petit texte. N'akhoud un salaire. Chaque matin, le garde forestier se réveille tôt et fait sa toilette. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Met son uniforme, saisit son fusil et va faire sa tournée. Il surveille la forêt. Il empêche la destruction des arbres. Et sanctionne la chasse non autorisée. Le soir, il revient très fatigué. Chaque matin, كل صباح, le garde forestier, مراقب الغابة, أو حارس الغابة إلى غير ذلك, se réveille tôt, يستيقظ باكرا, et fait sa toilette. طبعا, faire sa toilette, مقصود بها أنك تتزين. تغسل وجهك, تغسل شعرك, تحلق وجهك أنك تلبس بشكل أنيق أنك تعطر نفسك مثلا إذا نتكلم عن faire sa toilette عندما أقول مثلا je fais ma toilette المقصود بها أنني أقوم بهذا العمل بالنسبة لي tu fais ta toilette أنك تقوم بهذا الأمر أنت أو أنت أنت تقوم أو أنت تقومين بهذا الأمر إذا ثم أنه يستيقظ باكرا ثم أنه يزين نفسه المقصود أنه يلبس يزين نفسه كما قلنا أنسويت ثم بعد هذا il prend son petit déjeuner يأخذ فطوره mais son uniforme ensuite il prend son petit déjeuner mais son uniforme يعني أنه يضع ماذا طبعا كلمة uniforme نقول عن شيء عندما يكون متماثلا ومتجانسا نقول عن شيء بأنه uniform كوصف طبعا عندما يكون متجانس ومتماثل على طوله طبعا هنا نتكلم عن uniform نتكلم عن لباس نتكلم عن لباس نظامي مثلا الشرطة تلبس لباسا معروفا حارس الغابة يلبس نفس اللباس مثلا الجنود يلبسون ألبسة أنها متجانسة كما نقول mais son uniforme يعني أنه يضع لباسه يعني أنه يضع زيه النظامي ثم saisit son fusil يعني أنه يربط أو يشد بندقيته et va faire sa tournée ثم يذهب ليقوم بدورة في الغابة et va faire sa tournée كما نقول أنه يذهب ليقوم بدورة في الغابة il surveille la forêt هو يراقب الغابة Il surveille la forêt, ou يراقب الغابة, empêche la destruction des arbres. ثم يمنع تحطيم أو إتلاف les arbres, يعني الأشجار. Et sanctionne la chasse non autorisée. ثم يعاقب la chasse, يعني الصيد. هنا يجب التفريق بين la chasse وبين la pêche. La chasse, يعني صيد البر. La chasse, يعني صيد البر. عندما تصيد مثل الأرانب, تصيد طيور, إلى غير ذلك نتكلم عن لاشاس و
ولكن عندما تصيد السمك نتكلم عن حيوانات البحر إلى غير ذلك. إذن هنا نتكلم عن لابيش. إذن هنا نتكلم مثلا عن لو فيرب شاسي يعني أنك تصيد. فيما يخص البحر ممكن نتكلم مثلا عن لو فيرب بيشي. لو فيرب بيشي يعني أنك تصيد بالصنارة بالشباك إلى غير ذلك، تصيد حيوانات البحر. إذن هنا أي سانكسيون لا شاس نو أوتوريزي ثم يعاقب الصيد الغير مسموح به كما نقول أو الغير مرخص. لو سوار في المساء il revient très fatigué. هو يعود جد متعب. لو سوار il revient très fatigué. في المساء هو يعود جد متعب. إذا المطلوب هنا je relève dans le texte les verbes. إذا أولا أنا أستخرج من النص الأفعال. Je les classe dans le tableau. Puis on les classe dans le tableau. Nous reprenons le texte à nouveau. Chaque matin, le garde forestier se réveille. Quel est le verbe ici? Chaque matin, le garde forestier se réveille tôt. Où est le verbe ici? Le verbe c'est. Le verbe c'est se réveille. Il donne un double fiel. Se réveille. On va mettre ici se réveille. Après, on se demande quel est l'infinitif de se réveille. Quel est l'infinitif de se réveille? Ma wa asl. Fiel se réveille. Bien sûr, c'est le verbe se réveiller. On va mettre ici, dans la deuxième case, se réveiller. Nous mettons l'infinitif du verbe. L'infinitif du verbe ici, c'est se réveiller. Après, on se demande à quel groupe appartient ce verbe. À quel groupe appartient le verbe se réveiller? Et dans les aïmes moyennes termes, le verbe se réveiller. Comme nous le constatons, le verbe se réveiller se termine par ER. Le verbe se réveiller se termine par ER. Et par conséquent, tous les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller, tous ces verbes appartiennent au premier groupe. كل افعال منتهية بER إلا le verbe aller. Et donc, كل افعال تنتمي للمجموعة الأولى. Le garde forestier se réveille tôt et fait sa toilette. Et fait sa toilette. Alors, où est le verbe ici? Le verbe c'est fait. Fait. Nous prenons cette forme verbale comme il est à la première case. Et donc, nous avons le شكل التصريفي comme nous l'appelons. Comme هو. Après, on se demande quel est l'infinitif de fait. Après, on se demande quel est l'infinitif de fait. بعدها نتساءل ما هو أصل فعل الفعل الموجود عندنا هنا هذا الصرف هذا الشكل اللي هو فيه. Bien sûr, c'est le verbe faire. C'est le verbe faire. On va mettre ici le verbe faire. Se réveille tôt et fait sa toilette. Et fait sa toilette. Le verbe faire appartient à quel groupe? Le verbe faire appartient à quel groupe? Le verbe faire, puisqu'il ne se termine ni par ER, ni par IR, alors ce verbe appartient au troisième groupe. Le verbe qui ne se termine ni par ER, ni par IR appartient au troisième groupe. Et donc, كل افعال التي لا تنتهي لا بER ولا بIR مباشرة نضعها في المجموعة الثالثة. Ensuite, bada, il prend son petit déjeuner. Où est le verbe ici? Voilà, c'est le verbe. Le verbe c'est prend. On va mettre ici cette forme verbale prend. Et donc, ناخذ هاد prend نضعها هنا. Après, nous mettons l'infinitif du verbe. Bada, نضع اصل الفعل. Prend, c'est quel verbe? Il prend. C'est quel verbe? Bien sûr, c'est le verbe prendre. Alors, nous mettons ici prendre. De la même façon, le verbe prendre ne se termine ni par ER, ni par IR. Et par conséquent, ce verbe appartient au troisième groupe. Et dans le verbe prendre, tu as bien connu cette tariqa, où on a un tel, l'ER ou l'IR. Au petit livre, où on a un tel, il prend son petit déjeuner, met son uniforme, tout le monde a ouzraté. Où est le verbe ici? Le verbe c'est mais. On va mettre ici mais. Après, on indique, on écrit son infinitif. Quel est l'infinitif du verbe mais? Il met. Mais, c'est quel verbe? C'est le verbe mettre. C'est le verbe mettre. Et de la même façon, on se demande à quel groupe appartient le verbe mettre. Et de bien cette tariqa, نتساءل لأي مجموعة ينتمي le verbe mettre. Le verbe mettre, comme nous le voyons, ne se termine ni par ER, ni par IR. Et par conséquent, il appartient au troisième groupe. Après, on a
saisit son fusil et va faire sa tournée. Il saisit son fusil et va faire sa tournée. Où est le verbe ici? Où est le verbe ici? On a le verbe saisit. Il saisit. Où est chuddo? On a saisi. On va mettre ici saisi. Après, on met son infinitif sur la case infinitif. Et d'un badan adda l'infinitif khasbil fiel. Il saisit. C'est quel verbe? Saisir. C'est le verbe saisir. Et comme nous le voyons, le verbe saisir se termine par ir. Comme on l'a dit, anna. Saisir, yen terib ir. هنا تبقى لنا جوج الاحتمالات الى وفرنا الشرط الثاني اننا نسمعوا دوزاس فهو ينتمي للمجموعه الثانيه اذا لم يتم الشرط الثاني فهو ينتمي للمجموعه الثالثه نبحث عن صرف فعل سيزيغ لو فيرب سيزيغ نقول جو سيزي تو سيزي ايل سيزي نو سيزيسون اذا كما نلاحظ اننا نسمع دوزاس فو سيزيسي ايل سيزيس إذن طبعا نسمع الدوزاس وبالتالي فإن لو فيرب سيزير ينتهي للمجموعة الثانية quand on fait la conjugaison du verbe saisir au présent de l'indicatif avec la première personne du pluriel qu'est-ce qu'on dit bien sûr on dit nous saisissons et comme nous le constatons on entend les deux S et par conséquent le verbe saisir appartient au deuxième groupe saisit son fusil et va faire sa tournée et va faire sa tournée où est le verbe ici On a le verbe faire. On a le verbe faire. Le verbe faire appartient au troisième groupe. Et va faire sa tournée. Donc, on a le verbe aller. Adnana et va. Tabanana, had va, li ou le verbe aller. Donc, on a le verbe aller, et on a comme moussaïd. Yani, on a Adnana le verbe aller. Tabanana le verbe aller. رغم أنه تنتهي بأر فهو ينتهي المجموعة الثالثة كما قلنا فيما سبق بأن الفيرب آلي هو الاستثناء الوحيد من الأفعال التي تنتهي بأر إذا نضع هنا فا ثم نضع هنا آلي ثم نضع هنا تخوزيام غوب إيل سيرفي لا فوري إيل سيرفي لا فوري هو يراقب الغابة إيل سيرفي لا فوري ألوغ هو الفيرب إيسي الفيرب إيسي سي سيرفي فنمتخ إيسي سيرفي Et sur la case infinitive, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre surveiller. Après, on a groupe. Il appartient à quel groupe? Il appartient au premier groupe. Le verbe surveiller se termine par ER et par conséquent, il appartient au premier groupe. Empêche la destruction des arbres. Empêche la destruction des arbres. Le garde forestier empêche la destruction des arbres. Où est le verbe ici? Le verbe ici, c'est empêche. On va mettre ici empêche. Après, On met son infinitif. Quel est l'infinitif de empêche? Bien sûr, c'est empêcher. Empêche, c'est le verbe empêcher. On va mettre ici empêcher. Et puisque empêcher se termine par er, ce verbe appartient au premier groupe et empêche la destruction des arbres et sanctionne la chasse non autorisée. Et sanctionne la chasse non autorisée. Et sanctionne la chasse non autorisée. Le verbe c'est sanctionne. Sanction. On met ici le verbe. Dans cette case-là, on met sanction. Après, on met son infinitif. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Nous mettons le verbe sanctionner. Sanction, c'est le verbe sanctionner. Après, nous indiquons à quel groupe appartient le verbe sanctionner. Le verbe sanctionner se termine par ER. Alors, il appartient au premier groupe. Le soir, il revient très fatigué. Où est le verbe ici? Le verbe c'est revient, revient. On va mettre ici revient. Après, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Nous mettons revenir. Revient, c'est le verbe revenir. Alors nous mettons ici revenir. À quel groupe appartient le verbe revenir? À quel groupe appartient le verbe revenir? Le verbe revenir appartient au troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'avec la première personne du pluriel, au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on dit? On dit « nous revenons ». « Nous revenons ». On ne dit pas « nous revenissons ». On dit « nous revenons ». Puisqu'on n'entend pas les deux S, le verbe « revenir » appartient au troisième groupe. Je m'y valide et je consolide mes acquis. Je classe les verbes suivants selon leur groupe. On apprendre, « akhada »,« faire »,« fa'ala ».
parler, تكلم, venir, جاء, finir, أنا, أو أكمل, choisir, اختار, regarder, نظر, tenir, أخذ باليد, وهناك معاني أخرى تشبهها طبعا, bondir, نط, essayer, حاول, vouloir, أراد, lire, قرأ, vivre, عاش, vivre, عاش, salir, وسخ, نقول عن شيء ابن وصال يعني أنه متسخ, salir, وسخ, علي, ذهب, dire, قال, se distraire, يعني أنه يروح عن نفسه كما نقول, se distraire, يعني أنه يروح عن نفسه, روح عن نفسه أو سلى أو تسلى إلى غير ذلك. إذن je classe les verbes suivants selon leur groupe. أنا أرتب الأفعال التالية حسب مجموعتها, حسب المجموعات التي تنتمي لها. On va classer bien sûr ces verbes selon les groupes auxquels ils appartiennent. On va les classer selon est-ce qu'ils appartiennent au premier groupe, au deuxième groupe ou bien au troisième groupe. Donc prenons le premier verbe. On a le verbe prendre. Comme nous le voyons, le verbe prendre ne se termine ni par OR ni par IR. Et dans le verbe prendre, l'INT, l'EB ER ou l'EB IR, il se termine par DRE. Et dans le INT, BDRE. Et dans le INT, BED AL-AHROF. Alors le verbe prendre appartient au troisième groupe. Après, on a le verbe faire. De la même façon, le verbe faire ne se termine ni par ER, ni par IR. De la même façon, le verbe faire appartient au troisième groupe. Après, on a le verbe parler. Le verbe parler, comme nous le voyons, se termine par ER. Bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, tous les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller, appartiennent au premier groupe. Alors, le verbe parler appartient au premier groupe. Après, on a le verbe venir. Bien sûr, le verbe venir, comme nous le voyons, se termine par IR. Il reste à vérifier est-ce qu'on va entendre les deux S avec nous au présent de l'indicatif. Bien sûr, avec nous, qu'est-ce qu'on dit? Avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous venons, nous venons. Après, vous venez, ils viennent. Comme nous le voyons, le verbe venir appartient au troisième groupe puisqu'on n'entend pas les deux S avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Après, on a finir, finir. Convenir se termine par IR. Mais cette fois-ci, le verbe finir avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous finissons. Nous finissons. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Comme nous le constatons, on entend les deux S avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, etc. Alors, le verbe finir appartient au deuxième groupe. Après, on a le verbe choisir. De la même façon, le verbe choisir se termine par IR. Il reste à vérifier est-ce qu'on entend les deux S avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous choisissons, nous choisissons. Après, vous choisissez. Après, ils choisissent. Ils choisissent. Alors, le verbe choisir appartient au deuxième groupe. Le verbe choisir appartient au deuxième groupe. Après, on a le verbe regarder. Le verbe regarder, comme nous le voyons, le verbe regarder se termine par ER. Et par conséquent, il appartient au premier groupe. Après, on a le verbe tenir. Alors là, ce verbe se termine par IR. Il reste à vérifier sa conjugaison au présent de l'indicatif. Bien sûr, nous disons je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent, ils tiennent. Alors, on n'entend pas les deux S et par conséquent, ce verbe appartient au troisième groupe. Après, on a le verbe bondir. Après, on a le verbe bondir. De la même façon, le verbe bondir se termine par IR. Il reste à vérifier sa conjugaison au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif avec la première personne du pluriel. Avec la première personne du pluriel, on dit nous bondissons. Nous bondissons. Comme nous le constatons, le verbe bondir appartient au deuxième groupe. Après, on a le verbe essayer. Le verbe essayer se termine par ER
Alors ce verbe appartient au premier groupe. Après, on a le verbe vouloir. Le verbe vouloir ne se termine ni par ER ni par IR. Alors ce verbe appartient au troisième groupe. De la même façon, le verbe lire ne se termine ni par ER ni par IR. Alors, il appartient au troisième groupe. Le verbe vivre, c'est la même chose. Il appartient au troisième groupe. Après, on a le verbe salir. Ce verbe se termine par IR. Alors là, on va voir sa conjugaison au présent de l'indicatif. Et dans le nom sanara, sanfaro, au présent de l'indicatif. Fada azemen. Avec la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous salissons. Nous salissons. Ce verbe appartient au deuxième groupe. Après, on a le verbe aller. On a déjà dit que tous les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller, appartiennent au premier groupe. Alors là, le verbe aller appartient au troisième groupe. C'est le seul verbe qui appartient au troisième groupe, ayant comme terminaison ER à son infinitif. Et d'un roi, الفعل الوحيد الذي ينتمي إلى المجموعة الثالثة منتهيا بER. Après, on a dire. Après, on a dire de la même façon. Comme lire, comme vivre, comme vouloir. Le verbe dire appartient au troisième groupe, puisqu'il ne se termine ni par ER ni par IR. On peut dire la même chose pour le verbe se distraire. C'est la même chose pour le verbe se distraire. Se distraire ne se termine ni par ER ni par IR, et par conséquent, il appartient au troisième groupe. Voilà, c'est le classement de ces verbes dans cette liste. إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.